Les gars, le petit déj, il est prêt. Ok. Oh, attends, je sais pas si tout le monde va arriver en même temps. Ça va. Moi, je suis réveillé, ça fait 2 heures. J'ai fait un footing. Arrête, j'ai fait un peu le tour du. C'est beau hein, autour, hein. C'est super beau. Hein. Nos régions ont du talent, comme on dit. Ça se voit que tu viens d'ouvrir les yeux, frérot. Bonjour, les gars. On va pas faire comme s'il n'y avait pas de caméraman autour de cette table. Il y a énormément de monde. Attention. L'arrivée de Cyril Gane. Attention, le bruit du champion. Hop là. Mais gros, il est en forme dès le matin. Jiraya, il est là aussi. Ça va, mon gars? Bien dormi, toi, monsieur? Ouais, super. Installe-toi, mec. Dormi 3 heures, mais. Toute ma journée, elle est bien. Elle est bien fournie. Bah, c'est fou, ça. Bah, moi, en tant que sparring, je me mets à côté de. Mon champion. Tu t'es battu, toi, ou quoi? Ouais, il a bien dormi, je crois. Ah oui. Petit café, brioche, quotidien de l'artiste. Faut quand même leur expliquer que c'est réel, hein. On est vraiment arrivé hier, ça a profité de la soirée. Ça a profité de l'endroit. C'est parti dormir très tard. Et messieurs, installez-vous. Très bien. Alors, on va pas se mentir, on s'est déjà dit bonjour. Parce qu'en réalité, on est là depuis hier soir, comme tu l'as dit, Dwagby. On est arrivés tous. Bah d'accord, mais tu leur dis tout. On leur dit tout. Lorsqu'on a fait hier soir. On va arrêter de se mentir. Raconte-leur la soirée. C'est vrai, on va arrêter de se mentir. Donne-nous toutes les anecdotes. Tout ce que vous voyez là est faux. C'est pas du vrai lait. C'est pas du vrai lait. C'est pas du vrai lait. Pierre intro. Ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. C'est uniquement des accessoires de tournage. En réalité, on est là pour Amine. Explique-nous alors le concept. Amine et ses amis. Je n'avais pas dit avant encore Amine le pauvre. Ça va, Amine? Non, frérot, en fait, comme il a dit. Gigi, on a dormi très tard hier. Ouais. On a passé la soirée ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez fait du coup? Mais vous avez dormi tôt, toi t'as dormi à quelle heure? Bah, j'ai dormi tôt. Bah, tu connais les streamers, ils parlent de GTA 6, tu te doutes bien. Ouais, c'est ça. Et là, t'as vu, attends, la frame là, à 15 secondes quand on voit l'œil. Pour toi, c'est un secret, c'est un inconscient. C'est pour ça que tu nous vois. Mais j'ai vu un docu sur vous, vous êtes des malades. C'est quoi le docu? Le monde enquête. Ça s'appelle Clément le No Life. Clément le No Life. C'est hyper récent en plus. Clément, vraiment, ça date d'hier. Bien, c'est vraiment une c'est quoi ça Clément le No Life. Je vois pas Clément le No Life, c'est le premier buzz. C'est genre le premier Internet buzz. Sur geek, quoi. Ouais. Genre le mec était vraiment full métalleux avec une mèche, Tokyo Hotel et tout. Non. Il était chez ses écrans. Je t'avais rien à lire, mais ça fait partie du patrimoine. La culture Internet. La génération X. Les premiers bails viraux. Je connais pas, vraiment. Classique. Tout ce que tu dis en décalé. Il est encore dans son rêve. Mais je me demande si toi t'es comme ça tous les matins ou c'est parce que là il y a quand même des caméras comme tu dis. Café, tu vois, vraiment. Il va le tenir là pendant. Il y a du café? Non, je sais pas, comme ça, il y a tout ce qu'il faut. C'est que il prenait un peu de temps à se réveiller et je suis monté pour le réveiller. Oui. Mais full inspiration. Ouais. Ah oui, quand je suis arrivé dans la salle, oui, quand il est arrivé direct, j'étais en pilote automatique. Non, mais parce que il y a des conditions aussi. Je me réveille, il y a Amine qui dort. En fait, je me dis, c'est un peu drôle comme schéma de vie. Et j'imagine. Dangereux, ça va être dangereux. Mais non, mais parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on fait ça? Ah, il était pas content hier. Pourquoi on va dormir dans. On est en Normandie. On est en Normandie. C'est à 50 minutes de où on habite, mais pourquoi on a dû prendre une voiture ce matin, se réveiller un peu plus tôt? T'as 50 minutes? Bah oui, inside de Paname, la nuit, il y a personne. Moi, une heure et demie. Non, mais il roule vite, il roule. Non, mais toi, t'es venu. Ah, c'est vrai, elle a la boîte mobile. Non, mais lui, il habite à Versailles, c'est pour ça. Dans le 93. Si j'ai adopté un gosse, là, il a 15 ans. Et t'as dit la moitié, c'est pour ça qu'il veut plus grand. Ok. J'essaie de le former à faire un tiers de projet Mbappé, mais bon, 15 ans, c'est tard. Toi, tu l'as adopté à 15 ans. 15 ans, c'est tard un peu, non? Un peu, ouais. Tu bois pas du lait, tu prends du laitier? Je pense que... Mais avec plaisir, mec, avec plaisir. Ah, ça veut commencer direct à taper dans les... Chacun une serviette. Ah, ça me dégoûte, moi, je peux pas boire dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça j'aime trop les produits laitiers. Non, regarde sa moustache de pervers, moi, je bois pas là-dedans. T'as mis ta moustache dedans, moi, je peux pas, c'est fini. On l'a vu là, on regarde pas. C'est la vieille excuse pour pas boire de lait. Non, mais les gars, ça bouche et tout, machin. Je peux pas, mais arrêtez, il est tellement bon ce lait. Mais c'est lent ce lait, non? Tiens, okay. Prends ton... Juste sois normal, mec. Non, mais Amine, tiens, arrêtez, les gars! Amine, prends ton verre de lait. Au pire, non, mais tu te dis bien que ça va pas être normal avec Amine et moi. C'est vrai, on dirait qu'il a pris un verre. Il y a tout ce qu'il faut ici autour de la table. Effectivement, les je peux boire, c'est vrai. J'ai envie de café, pas vous? Oui, pareil. Ouais, un bon café, c'est. Bon kawa, là. Ah, t'es un mec du café? J'aurais jamais imaginé que tu. Juste pour me réveiller, en fait. Ah! Juste dans. C'est utilitaire pour moi. Ah, tu fais partie de ces gars qui disent en fait, moi, le matin, tu me parles pas s'il y a pas du café. Pas comme ça, mais oui, mais oui, c'est ça. C'est quoi tes origines? Mes origines de moi? Ouais.
Non, mais ça, je pense, c'est sans doute. Non, mais le café, c'est normal, ouais. Tu vois. Ah, tu parles robot un peu? Ouais, je parle robot. Non, mais parce que. Non, mais. Il a dit un mot, gros. Non, mais frérot, non, faut que tu saches un truc, ce mec-là. Il n'y a pas un truc qu'il sait pas faire. C'est un génie. Il a non. arrêté de me casser les mais frérot, non, mais c'est vrai, on a vu ensemble. Hier, il a dansé, il m'a montré ça jouer au basket, ça faire du foot. Il sait manger aussi, et boire du lait. Ouais. C'est bien pour ça qu'on est là, bien payé. Ouais. Je pense que le matin, il a pas de filtre, ce bâtard. Comme le café. Oui. Moi, je veux bien le café, tu sais où c'est? Oui, bien sûr, machine à café, là. Bah, je vais en profiter pour expliquer un tout petit peu. Tout le monde veut un café? Explique... Bah, tu veux un café, parce que c'est vrai que ça va vite, hein, les gars. On a mis 5 potes autour d'une table. Forcément, ça va être le bordel. Là, on est en condition de vacances. Mais effectivement, on est tous arrivés hier, pendant la nuit. Justement, on a pu profiter des lieux. Et là, on va se retrouver autour de cette table avec les produits laitiers pour discuter un peu, en apprendre un petit peu plus les uns sur les c'est autres. C'est ça. Voilà, on a appris qu'il avait adopté déjà. Bah voilà, tu vois, tout de suite, ça se confie. C'est le cadre qu'on voulait après le réveil. Justement, t'es moins calculateur, t'es moins dans la réflexion, donc tu vas te libérer un peu plus facilement. Moi, je me suis même réveillé ce matin, j'ai pris des vidéos de la nature. Oh, tu vois, regardez. Très poétique comme réveil côté Cyril. Ah ouais, avec le petit lever de soleil et tout. Un petit truc cinématique. Ça t'inspire ce lieu. Ouais, très inspirant. Je suis monté un peu là-haut. J'ai vu un très gros faucon dans les arbres au loin. Ok. Ah, t'as carrément fait un petit peu de footing et tout. Ah ouais, mais le sport, toujours. C'est le temps, toujours. T'as besoin des fois, genre même quand tu fais des grosses sessions d'entraînement, de partir loin et. Pas forcément loin en termes de distance, de mais. De couper, ouais. Ouais, de couper avec le quotidien, avec le paysage. Quotidien qu'on a, franchement, ça fait du bien. J'ai de la famille qui habite derrière Fontainebleau. Campagne de fou comme ça. C'est là-bas ta planque. Petite cachette secrète. Le Covid, je l'ai passé là-bas, moi. Petit café, toi. Petit café, évidemment. Cyril, café. Oh, j'ai rien à dire. Il y a une bonne ambiance, voilà. Il y a une bonne ambiance, vous êtes avec nous. On sait très bien les Marocains. Tout le monde prend. Dwagby, il est vraiment l'interview ou pas, là? Non, mais on discute un peu. Les gars, on est tous ensemble. Moi, j'ai une interview. J'ai une petite question. C'est la plusieurs fois que je parle avec des gens. Et dès qu'ils me parlent de toi, Cyril, ils me disent Cyril Gané. Ça n'a jamais été. On n'a jamais dit Gané. Toi, tu dis comment? Bah, Gann. Bon café à vous. Ah, c'est ton café. Moi, je dis Cyril, moi. Cyril Game, hein. C'est ça, là, je sais pas. Non, c'est un café? Non, moi ça va, je t'en remercie. Et les carrés disent je vais rester sur du lait. Ouais, c'est ça, ils disent gain. Malgré eux, tu vois. Mais ils disent Cyril ou Cyril? Quand ils veulent dire Gann, ils disent Grand. Grand, ok, pour présenter les Marocains. Mais les Américains, là, les chômades, quand ils t'appellent, c'est Cyril Game. Bruce Buffer. Tu t'es déjà fait call par Bruce Buffer? Bah oui. C'était Bruce à Paris? Bah plein de fois. Même à Paris, enfin, la plupart. Non, mais plein de fois. La première fois, elle doit être plaisante. Et t'as préféré Bruce Buffer ou Dwagby? C'est vrai que toi, t'as un peu l'énergie Bruce, quoi. C'est vrai que t'as une voix et tout. Après, c'est un sujet que j'aimerais. Et je pense que je peux l'évoquer avec toi et même toi, Cyril. En conversion dans la même langue. Non, la langue française par rapport à la sonorité. Le côté musical et la sonorité. Ah, pardon, oui. C'est plus dur d'être stylé et d'être efficace en français. Genre, par exemple, moi, je vais me buter. Après, je me compare pas au meilleur. Mais je vais me buter, je vais travailler un truc. Quand je vais le dire en français, ça va sonner bien parce que c'est quand même bien bossé. Mais ça va être la folie. L'américain derrière, il vient. Il va juste te dire 3-4 conneries. C'est exactement ça. Et le gars va te dire ouais, il a bouffé Dwag et tout trop fort. De fou, mais c'est vrai. On n'est pas sur le même terrain. Donne-moi l'anglais, la clé de Wham. En acting, c'est, je trouve, selon moi, plus dur de déterminer un bon acteur en anglais qu'en français. Pour le putain, magnifique. Parce que je trouve que du coup, leur langue, elle est un peu stylée de base. C'est bon, bro. Et pareil pour le rap, frère Migos. Tu décortiques chaque parole de. Même maintenant, le rap anglais, frère, c'est tellement stylé quand ils chantent qu'ils disent de la merde. Mais ils écrivent déjà un peu mieux, je trouve, tu vois. Ah ouais? Je trouve. Alors après, on n'est pas. C'est très carré de d'écrire en sans écrire, finalement, de poser en live. Il y a des sons, c'est chaud. Ah, vous m'avez fait un café aussi? C'est que c'est gagné. Attends, c'est pas le troisième? Non, apparemment, je suis pas assez. Mais c'est pas nous, c'est la machine, frère. C'est bon, je vais me le faire tout seul. Je vais me le faire tout seul. Le mal est fait. Le mal est fait. Je fais un café sans lait. Aucun lait dans mon café. C'est pas l'esprit partage, c'est pas l'esprit produit laitier. Ça nous va pas, ça. Amine, est-ce que tu penses que tu vas être encore déçu par le PSG cette année? Non. Toi, t'es quoi, toi? En team de foot? Non, moi, depuis que je suis petit, c'était toujours Paris, mais en fait, j'ai arrêté un petit temps de suivre le foot. Et le revenir. Tu suivais Paris à quelle époque? Eh ben, à l'époque de Paolo Souza, Samuel Pietre, Aloiso.
Alonso. Le gardien, ouais. Les 2001, 2002, c'est quoi cette saison-là, c'est quand, ça quand Alonso. Distinct. Quand Lyon performait. Attends, il dit des vrais joueurs, là. Oui, ah, Eric Rabesson-Natana, Benarbia, Talalair Karkouri, Fiorez, Coridon. Chantôme. Non, j'ai suivi un. Mais en fait, le PSG, on va dire, des années 2000, merci. Ouais. Et je me suis remis à bien kiffer le PSG en 2014. En 2014, j'irai. Donc, en vrai, du coup, on appelle ça les Lynx, c'est ça? Ouais, ça doit être du ça. Du coup, les Lynx, à Paris, les supporters, ils appellent ça les Lynx. Alors, je savais pas du tout. Vrais supporters, ils appellent ça les Lynx parce que c'est en référence à, et je sais plus quoi. Il a mis aucune dosette. Frère, mon café, c'est du thé. Il est transparent. Ah, t'as pas remis dosette? Il est transparent. Ah, t'es vraiment le chien. Il a pas remis dosette. Arrête. Ça part en couille. Mets ça dans le titre. T'inquiète, quand c'est pour lui, il fait attention de bien faire les choses, quand c'est pour les autres. Mais c'est Jiraya qui a fait mon café. C'est vrai que. C'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas faire de café. Putain, ouais, ça m'a sali mon bras. Non, il est pas fort du tout. Arrête. Est-ce que t'as mis un peu de lait dedans, quoi? C'est ça la question. Excuse-moi. Voilà, c'est peut-être ça qui te manquait. Attends, je t'ai sali où? Là. Exactement. Par contre, il y a autre chose qui est pas très esprit produit laitier, c'est que je. Quoi? Ça, honnêtement, c'est que pour toi ou tu partages quand même? Parce que l'omelette, je suis très salé aussi. C'est vrai que j'ai mis toute la grosse bouffe. Non, mais genre, honnêtement, genre ça, c'est une demande perso ou c'est pour tout le monde? Ah, mais j'ai un régime maintenant. Non, mais frérot, tu vas quand même partager. Ah, bah, tu m'étonnes, mais c'est sûr. Attends, mais t'as valé une omelette là, banale. Je suis désolé, tu vas partager. Combien de deux par un jour? 34? Quoi? Non, je regarde, c'est pas vrai. C'est pas possible, maintenant. 34, tu fais, tu chies. Ouais, je pense que c'est pas possible. Ah, tu manges beaucoup d'œufs? En tout cas. Ma question était simple, est-ce que cette nourriture est réservée? Non, non, je vais partager. Au point où tu deviens agressif si on... Mais non, mais vraiment, derrière toi. Voilà, derrière moi. Pouya. Je partage. Mais j'aime beaucoup. Il y a vraiment littéralement écrit sucre. Écrit sucre. Parce qu'il n'y a pas de place par là. Mais je vais pas abuser, j'ai compris qu'il fallait quand même faire gaffe. Non, même pas, qu'est-ce qu'on fait? On se sert? Ah bah c'est vrai, c'est le but à la fin, ouais. Petit déjeuner tranquille. Je précise, ce sont des œufs brouillés avec une recette au lait. Ah bon. Donc c'est vraiment une demande personnelle. Pour le moins, tu sais. Oui, j'en pense. Ouais, non, mais c'est vrai. Le produit laitier, effectivement. Vous savez que si le karaté fout le bordel, le judo, lui, il range. Le judo range. Oh non. C'est mal fait, j'ai mis un lui entre... Ouais, les gars, servez-vous un peu votre petit coin. Toi, t'es judo range le matin. Et dès qu'on est servi, on va commencer à aborder les vrais sujets. J'ai raté complètement mon effet. Parce que vous allez en apprendre plus sur nous. Un peu de crème. Bah, les petits sujets qu'on était plus jeunes. Non, la scolarité, mais qui mange ce sujet-là et puis même plein d'autres choses qu'on voulait. Quoi, tu vas voir la scolarité quoi là. On va parler. Oui. C'est un vrai épisode, ouais. Oh, t'es giga généreux, merci énormément. Ouais. On va parler un peu de ton enfance. Cyril, toi, tu manges ça, en veux ça là. Fromage blanc avec les cheveux. Un petit peu, ouais, s'il te plaît. Parce que me désolé, petit déj basique ça. Ah non mais non. Ouais, je veux bien un peu du d'orange, Eric. Toi, lui, tu bois un peu du doge. Ah grave. Du doge. Et toi, tu manges vraiment des œufs brouillés banal le matin. Moi, je suis très salé. Ouais. Vache, ah non, ça va. Je suis très très salé. Pas trop sucré. Toi, t'as la mine, t'es plutôt salé ou sucré? Moi, je suis bien salé, moi, je mange beaucoup. Ouais. Ah ouais, le matin? Moi, je suis un mec, je peux manger énormément dans une journée. Mais c'est pas une question de manger beaucoup. De manger, c'est plutôt salé. Tu préfères le salé ou le sucré, ça, apparemment. Je sais très bien que c'est sur ma voix. Pas du tout, mais. Moi, je suis extra méga giga. Non, mais oui, il est trop prouvé. Mais non! Dès qu'il m'entend parler, il veut se moquer de moi. Mais non, mais. C'est pourquoi? Ah ouais! Moi, je peux le dire. Moi, je lâche la bombe, hein. Moi, je le dis. Est-ce que tu m'as dit hier soir, frère? Je te dis quoi? Si, hier soir, il y a des trucs qu'on peut pas répéter. Non, van, évidemment, rien de bizarre. Très, très grave. Non, extrêmement grave. Non, drôle, très drôle. On a eu des vraies conversations de gens où tu te dis, ouais, faut pas que ça sorte. C'est non, okay. Ah ouais, moi j'étais pas si. Les gars qui veulent du fromage! Je pense que c'est pas si marrant. Moi ça va. C'était drôle. Non, mais c'est drôle. C'était drôle, mais. Tu peux nous le dire à nous, mais c'est vrai que. Non, mais c'est que moi. Genre, c'est vraiment, c'est moi qui. Non, non, mais parce que t'es un capital sympathique, tout le monde est là. Amine, c'est le petit-fils parfait, c'est le level of star, c'est machin. Oui, tu peux tourner normal. Messieurs, est-ce qu'il y a des fans de fromage? Est-ce qu'il y a des femmes de qui? Non, des fans. Mais toi, tu veux. Lâche un peu les femmes. Ouais, tu veux, elle en peut plus. Oh. Là, est-ce que vous êtes un peu fromage le matin? Non. Fin de vidéo. Non. Fin de vidéo, fin de concept. Carrément, le mec a un blocage. Non, mais sérieusement, on va revenir un peu, comme on l'a dit, sur notre petite jeunesse, en tout cas par rapport au petit déjeuner. Ça, c'est du baby. Il y a du baby. Ouais, t'as rien à toi, mais... Non, mais toi, t'as des goûts d'enfance. Ouais, on voit qu'il y a une assez grosse culture en termes de... de fromage. Ouais. Belle connaissance, en tout cas, gastronomique. Il y a quand même hésitation. Ah, c'est Bambi Bull, ça. Attends, ça, je connais ça. Ah, de la frappe. C'est exactement ça.
Et bon, on met dans la chapelure aussi, et dans la farine, comme ça, ça fait des babybel panés. J'ai vu ça sur TikTok. Tu veux rajouter un petit peu de protéines? Mec, c'est zéro goût. Non, je suis pas du tout fumage. Rien. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est babybel, ça. Il me frère, il y a que des fromages un peu de technique. Ça, répète, ça, c'est babybel. Bolos, Amine, 49 ans, aucune connaissance en fromage. Moi, c'était la dinguerie du siècle qu'il avait découvert. Oh, mais il avait le produit laitier. Oh putain! Vous avez du pain aussi, messieurs? Oui, 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 t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut. Hein. Sur la planche! Sans mauvais jugement. Qui met les œufs? J'ai vraiment, dit comme ça? Ouais. C'est sûr que t'as dit ça, vraiment. Ah, c'est pas du tout. Vous êtes encore sur Babybel là? Comme Marc, quoi, t'avais jamais vu. C'était la première fois. Genre, ça rebondit, c'est une technique. Ouais, c'est une technique de ouf, comme ça, c'est dire. Il va rester avec une meuf et tout. Du gros fromage et tout. Ah, Babybel, ça je connais. Attends, frérot, ça je connais. Grosse connaissance. Il a raison. Ça comme un golou. Ouais, mais c'était naturel, c'est le matin, c'est pour ça qu'on a voulu se capter comme ça, dans ce cadre-là. Ah, tu vois, j'ai dit c'est vrai, c'est naturel. Après, je l'imite tellement, frère. Ah, putain. Ouais. C'est vrai, oui. C'est vrai que tu l'as... Tout à l'heure, t'avais pas parlé sans m'imiter, je crois. Non, mais t'abuses. Bon appétit, tout le monde. Normalement. Tu t'entraînes aujourd'hui? Tiens, mange ta mère. Ce soir, ouais. Ah, tu veux jouer? Avant la première de... Tu peux te quoi. Arthur Sanigou. Ah, le film avec Eric. Ouais. Et Ragnar. Et Mathias, ouais. Ah, trop bien. Là, je fais ça. Là, on est là. Je passe. Tu vas jouer dedans? Non, je devais, mais je vais pas jouer dedans. Là, je passe un super moment avec vous. Et après, je vais dans un hôpital pour les enfants malades. Désolé de casser l'ambiance. Tu fais 2-3 photos? Je fais 2-3 photos avec eux, ouais. Il fait des photos immondes où il serre le cou des gars. Oh wow. Mais il peut pas s'empêcher de chécra. En vrai, il y a un Mickey derrière. Ah, le clochon. Ok, je reprends. Le quoi? Le clochon. C'est clochard mignon. Non, c'est un cochon, cochon et un clodo, ouais, quoi. Ah, le plus d'un cochon et clochard. Ouais, du coup, ça donne pas envie. Ah, okay. Alors, t'imagines vraiment, j'ai ce... Bon, t'as compris la blague. Ouais, la clé de bras au petit enfant. Un sourire pour la vie. Un sourire donné. Un plat, Cyril Gann est passé donc voir. Genre, il est parti comme un super-héros. Il a dit, ouais, je vais pour une asso pour les enfants. Ouais, il s'est cassé comme ça. Et lui, on nous laisse là, c'est entre ça. Gens horribles qui prennent des petits déj. Jérémia, tu suis un peu le même, hein? Non, pas du tout. Allez, bon, bah, fin de débat. Allez, on passe à autre chose. On parle ah ouais, pas, mais de loin, tu vois, sur les main events, etc. Tu t'es déjà battu forcément. Moi wow, attends, oh là là, il va loin dans le truc. Si, parlons-en, tiens. À qui tu parles? Qui se bat ici? Mais moi, je continue. Moi, j'ai déjà raconté, mais du reste, j'ai déjà raconté. Plus grand monde se bat, sauf toi, professionnellement, mais. Non, pas se poser des questions, mais t'es quand ah là, tu les arrêtes, je veux bien que tu échanges avec l'argent. Pour l'argent avec des chiens. Tu vois quoi? C'est pas avec des chiens, ouais, excuse-moi, j'ai pas attends, moi, ce que j'ai relevé, c'est surtout que tu nous as redirigé vers une autre vidéo. Ouais, va, allez voir, c'est un interview combiné. C'est un malade, ce mec. T'es un fou, t'es gros, t'es un fou. Mais non, mais parce qu'il demande ça. Toi, Doig, tu t'es déjà battu? Ouais, je pense que oui. En collège, ouais. En plus, c'était l'époque des cartouillages et trucs comme ça. Genre, c'est une grande époque. Ouais, c'est pas belle l'époque des cartouillages. C'est une grande époque, toi, ou ça. La prohibition, c'est la prohibition. En 2001, c'est on se casse partout. J'ai dit, mais je pense que la version Châtelet, tout le monde est là, scafouille, cafouille pas. Papa, quoi? Quoi? Scafouille pas, mais t'es vrai. Il y a plus de vidéos, il y a plus de caméras, tu peux moins faire ça sans être cramé à l'époque. À l'époque, c'est quoi? Ça fait une façon banale. Ah bah, moi j'étais dans un. Quoi, t'as tué des gens, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais, c'est ce que tu es en train de dire. Ah, toi, c'était l'ardeau. Dans un collège, tous les cartels en prison pour tuer. Ah non, t'habites où? T'as grandi où? Moi j'étais dans le 19e arrondissement. Ah, on parlait de Watt. Ah, tu vois? On parlait de Watt. Dis pas mon ancien blase. 19e vers Ourc. Exactement, dis pas mon ancien blase. Stalingrad, tout ça. Jaurès. Dis pas mon ancien blase. C'était quoi ton surnom déjà? On peut pas dire, on peut pas dire. Le bœuf. Acheter la drogue, mais il a changé. Il a donné à quelqu'un d'autre. Tu vas brûler à trop d'affaires, je peux vraiment pas en parler. Mais genre ton surnom d'aujourd'hui il est dû Ouais, Dogby c'est pour ça. Ah, Dogby c'est de quoi? C'est vrai, c'est lui il était là direct, c'était le doigt dans les yeux. Pardon, j'ai pas trouvé mieux, c'était parfait. J'avais dit le mot doigt, je voulais aller sur le doigt, et après Gbi, j'arrivais pas à le mettre. Bon, ce matin, je réveille le frérot, les frérots d'ailleurs, parce que t'as participé. Ouais, moi j'étais déjà réveillé. Bon. Non? Je suis arrivé, je t'ai dit bonjour! Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je le voyais pas, genre, il savait. Le PNJ. Il sentait le traquenard. Je savais que c'était toi.
Bonjour, vous allez bien? Il commence à partir sur une impro, il fait quoi? Attention au décollage! Il a chuté, ah, mais ah, vraiment? Ah, il commence à faire bienvenue dans l'Airbus A46 en direction de Kuala Lumpur. Genre, il part sur une impro, genre, il se réveille, il pète. Décollage de l'avion, bienvenue sur le vol. Et là, moi, je savais pas que c'était Cyril, je pensais que c'était quelqu'un de l'équipe qui me dit, allez, on commence à tourner. Ah, je vois, parfait, le combo est magnifique. Tu me dis, en tout cas, merci pour la nuit. Ah, ce qui paraît, ouais, t'es un tracteur. Hein. Ouais, je ronfle la nuit, ça m'arrive quand je suis dans des lits exigus, dans le froid, ouais. Le confort primaire, pas d'eau chaude. Je monte dans la chambre parce que je dormais en face de lui et j'entends. Il changeait de flow en plus, genre il était. Ce que j'aime pas, on fait normal. Moi, il y a des flows, tu connais, je suis rappeur, tu vois. Frérot, je te jure, tu m'as fait j'étais dans le noir et j'ai pleuré de rire. Tu m'as fait hurler de rire. Écoute, moi, si ça peut te permettre de passer un bon moment, pas une bonne nuit, mais un bon moment, moi, c'est ça qui compte. Bah, merci. Les gars, c'est quand la dernière fois que vous avez fait genre ce genre de truc? C'est-à-dire partir en vacances avec des potes, uniquement des potes. En Normandie? Vraiment, se retrouver autour d'une table un matin comme ça, alors peut-être après vous avez canoë kayak, quelque chose comme ça. Est-ce que vous arrivez à... Mais regarde-le. Regarde Amine, frère. Regarde Amine. Quand tu non, mais t'as dit du canoë kayak. T'as jamais fait du canoë kayak? Du kayak, mais c'était... Pour moi, c'est un site de voyage. Regarde pas Amine quand tu poses cette question-là. Tu commences par regarder Amine. Je suis sûr qu'il en a déjà fait. Mais non. Ça, c'est ma bible. T'as déjà fait du canoë ou du kayak? Non, il a déjà écouté un son kayak. Du canoë ou du kayak, t'en as déjà fait ou pas? Non, vraiment jamais. Ah mais si, c'est sûr. Tu t'as dû faire? Oh, comment non. Faire le mec? Avec. T'as pagaie? Non, j'ai fait de la barque. Non, j'ai déjà volé des canoës, mais. J'ai fait de la barque. Ouais, c'est ça. La barque. Ouais, j'ai fait de la barque. Je vois c'est qui, canoë le rappeur? Ouais, je vois c'est qui. Et Kayak, le site de comparateur de vol. Comparateur de vol, ouais. Là, c'est moi ce personnage, là, définitivement. Ouais, Kayak, je connais un peu Kayak. C'est pas les canoës. Ah non, c'est Kanak. Ok. Ok. Mais non, le. T'en as déjà fait? Du canoë kayak? Oui. Non. Bah alors. Bah non, mais je connais Tony Estanguet un peu. C'est qui? C'est le champion olympique de kayak qui était le porte-drapeau de la France au dernier JO, il me semble. Alors ce matin, je suis en culture max, pas intéressante. Que des trucs pas intéressants. Mais c'est vrai qu'avec Cyril, on a passé un... Hier soir, on a passé une bonne soirée. Il va me vanner ce bâtard encore. Non, pour de vrai, parce qu'il mettrait un peu... Oui. On a beaucoup parlé, Il y a beaucoup de choses. Le côté. Moi je croyais qu'il avait une calvitie. Moi je pensais qu'il était chaud. Ah, tu lances pas même le sujet. C'est vrai qu'il y a eu le sujet. Il fait partie de ces gens énervants qui se rasent la tête alors qu'ils ont des cheveux. Exactement. Il m'énerve. Alors que le haut point. Je lui dis, fais un petit dégradé au moins, un petit truc. Non, s'il te plaît. C'est à côté avec le sport. Je pense que. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais personne va t'attraper son dégradé. Il a un dégradé. En fait, si vous voulez, on parle de photos d'ossé quand j'étais un petit peu plus jeune. Il y en avait. J'avais des dégradés avec des waves. Mais en vrai, ça doit être frais. Tu vois, Durag, à la Drake, tu vois. À la Drizzy. Là, sûrement, j'en ai pas, non. À la Drizzy. À la Drizzy Dre. Et aussi, t'as une bonne forme de crâne. Ça, ça joue. Oui, ça joue. Vraiment. Ah, c'est vrai que t'as un beau crâne. Bref. C'est ça. Non, pour de vrai, t'as un beau crâne. Allez, vas-y, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Elle où, ma serviette? Non, tu n'aimes pas gratuit, on espère des places pour le prochain FC Paris. Non, regarde-la. Allez, là-bas. Bref. Et donc. Quand j'avais mes waves, tout ça, dégradé, où je plaquais mes cheveux pour... Dès que je faisais du sport, papa, frère, ça se levait et tout, ça se... Il dit, vas-y. Admirez, regardez bien les... C'est relou, frère. Comment ça se levait? Bah, la sueur et en fait, tout. Tu sais, ça les bougeait, waves. Quoi. C'est... Tu vois, moi, je faisais les waves. Tu connais les waves? Tu connais le délire des ronds noirs? Elles sont serrées, elles sont... Ouais. Tu vois, en fait, si tu veux, c'est un bail où tu... Tac, tu mets ta patte, tu mets ton... C'est pas un gel exactement, tu vois. Tac, et tu mets le durag. Tac, et ça aplatit tes cheveux, en fait, si tu veux. En fait, tes cheveux sont un peu aplatis vers l'avant. C'est pour les cheveux. C'est les gens qui ont les cheveux crépus. Donc, normalement, ça boucle. Et en fait, tes boucles, tu les aplatis. Et ça crée des waves. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu de culture G. C'est beau, et ça. Et en fait, si tu veux, bah, frottement, t'as bouh, ah, ça levait les cheveux comme ça. Ça ressemblait plus à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a saoulé. Et t'as rasé juste à cause de ça? J'ai rasé, frère. Mais après, t'es obligé de faire des waves. Bah, c'est pour ça que je coupe mes cheveux. Oui, mais, obligé, mais quand tu prends l'habitude, je pense que quand tu prends le pas, tu kiffes avoir ton petit. Et puis en vrai. Du coup, maintenant, je porte des casquettes. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple, frère. Tu peux mettre des casquettes. Ouais, un sujet. Toi, tu peux mettre des casquettes? Non, j'ai un trop gros crack. Non, mais dès que t'as. Regarde, tu vois, il a chaud. Ça va, frère. Tu vois? Je vais dire. Regarde, moi, je peux faire ça. Vous l'enlevez. Tu parles à des gens qui n'auront pas de soucis de jugement. Oui, honnêtement, moi, j'ai. C'est vrai que j'ai deux acolytes. Moi, je tiens à dire, en tout cas, ce matin,
Je vais le oui. réveiller également parce qu'ils étaient dans, la même chambre. Tu l'as reconnu direct ? Ils étaient dans le même lit. Reder, bon, ça fallait pas le dire. j'ai pris premier degré la blague comme, vraiment un viewer. Oh non, arrête. Vraiment, je l'ai pris vraiment, j'ai fait oh. Et je l'ai même surpris. Lit comme des. Allez. Et je l'ai surpris avec une coupe de cheveux clean. Ah. Tu connais ces gos qui se réveillent un peu avant, qui se maquillent. Non, frérot, tu peux pas dire ça. Ah, il a un vrai c'est très bien, qu'on... Là, non, on est tous allés, dans le lit en état. Oui, en état, par contre. On est tous allés dans le lit en état. Oui, en état, oui, c'est ça. Non, pas bougé en état. Vraiment, moi, je me suis lavé le visage, brossé les dents. Non, tu m'as. Oh non, non, eh ben, j'ai pas rien pour le prouver, mais vraiment pour avoir mon sac et voir que la brosse à dents qui nous a été prêtée d'ailleurs. Alors, on a eu un peu de. On a eu un peu de babysitting. Y'a pas un truc chelou qui dépassait de son sac ce matin? Oh! Oh! Ouais, ouais, c'est là. C'est non! Là. C'est bah, la brosse à dents. Je sais pas si on peut le dire. On dirait un god, voilà, il faut le dire. On dirait un god. Non, mais. Je vous jure que c'est ça. Et il était rose. Oui, oui, il y avait un god. C'est ça. Non, mais on dirait, mais c'est une brosse à dents. La brosse à dents de l'homme est subie. T'es mal à Libby? Oui, ça y ressemble. Eh ben on pourrait même s'en servir, mais moi, c'est pas ça. Les gars, voilà. les gars. Moi, c'est pas ça. Tu voulais me faire. Ouais. Et ben justement, pourquoi il était vide et on aurait dit qu'il n'y avait rien? J'ai enlevé la brosse à dents avant pour faire quoi? Non, je vais brosser les dents. Ah non, je sais pas si on parle de rien. Amine le go des porcs. Attends, t'es très quoi. T'as de la chance. T'as de go des porcs. Ça aurait été le pire avocat. Ah, tu pues la gueule. Il a quand même tué 10 mecs. C'est pas ça. T'étais pas habillé, toi. Ah. Bon, sinon j'aurais lâché fils de pute. C'était soit ça, soit. Mais non, mais frérot, le truc sorti du sac non, comme ça. Je sais pas s'il parle de ça. Ouais, je pense si, pas. De couleur marron ou vert, je sais pas quoi. Oui, transparent un peu. Non, il va changer de sujet. Finalement, je préfère changer de sujet pour pas le mettre. Je te jure qu'il a raison. Mais lui, il m'a dit vous, avant de dormir, vous faites rien? Ah bah voilà. On y vient. Vas-y, développe. Allez. Oh l'enfer! Qu'est-ce que t'as fait avant de dormir? Le petit déj qui tourne au drame! Avant de dormir, t'as fait quoi hier? Tu nous as dit justement? J'étais en train de rapper sur l'instru qu'il m'a envoyé. J'essayais de rapper, j'ai acheté des petites. Mais tu ronflais, ça t'a fait d'avant? Tu rappes? Bah non, c'était une petite instru, hein? Tu rappes? Ouais, sur ces instrus lui qui me l'a acheté. Ah voilà, il me remet dans le lot. Non, mais parce que. Non, j'ai vraiment mis 30 minutes à m'endormir. Vraiment, le boucan était incroyable. Mais ce que je kiffais, c'est qu'il y avait des variations. Alors tu proposais pas toujours le même flow. C'est un voyage! Il y avait un truc. Repas laitier, produits laitiers, film, ça c'est vraiment. Et surtout, regardez cette prépa de boxeur pro. Bah, j'aurais préféré. Combattant, ouais. Quoi? Autre chose à mettre dedans. Ah! Comme quoi? Tu manges quoi comme ça? Le petit déj qu'on nous a préparé, mais. Mais en vrai, c'est quoi que tu mets dedans? C'est toi qui nous l'a préparé, non? Flocon d'avoine? Oui, c'est Amine. Ouais, flocon d'avoine. Ouais, c'est moi le cuistot. C'est moi qui fais viennoiserie. Son d'avoine? Amine et ses amis. Pas des Kellogg's, quoi. T'es vraiment la meilleure sucré. Déjà, c'est archi sucré, je kiffe pas trop, je suis pas fan. Le niveau nutritif, c'est toi qui te fais à manger? Ouais. Ah, bien ça. Ça, c'est un truc que tu te fais à manger? On en parlait hier. Arrête de prendre toute question comme un piège, réponds enfin. Non, t'as toi, pas dit ça, c'est pas normal. Non, toi, c'est un piège. Arrête un peu. Désolé, on est tous matures, il y a que toi ici. Regarde ça, qui prend, tu parles de Babybel. C'est inexplicable. C'est fou ça. Ça doit être ça. Babybel? Ok, bah non, je me fais pas manger. Voilà, c'est tout. Tu manges quoi le matin? C'est pas de... Oh c'est quoi? Oh, mais Babybel. Ah, le 8h30, frère. Non, mais ah. Le Babybel, c'est le... Non, mais oui, évidemment. Mais surprenant. Tu mettais le... On l'a tous vu en premier. Oui, bien sûr. On l'a juste pas dit. Le Babybel. Comportement, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais tu manges quoi le matin d'habitude? Le matin, omelette. Tu vas pas péter, frère. Ouais, tu manges vraiment omelette? Mais je te jure, j'attends des omelettes. Soirée, mine, frère. Toi, tu manges quoi? Ouais. Attends. Hein? Non, faut pas ça. C'est la base. Quelqu'un a un autre café? Ah non, omelette. Ça va, merci. Tu veux éteindre plusieurs cafés? Ouais. T'as pas qu'un seul, toi, le matin? Moi, ça suffit, moi. Ah ouais. Ah, mais toi, parce que tu le vois par plaisir. Ah ouais, toi, c'est vraiment pas. Oui, c'est parce qu'il doit se réveiller. Ah ouais? Vous lui mettez les gars. Ah bon, ouais. Moi c'est pour moi, je suis fatigué, je bois mon café sinon je bois pas. Ah, c'est marrant. Ouais. Okay. Je mange très très peu. T'as pas le goût? Moi le matin je me lève. Je le vois frérot. Et tu sais que là c'est fou, hein. J'ai bu un café, j'ai bu deux jus d'orange, j'ai pris des trucs. J'ai pris des... Amine, il fallait inviter des gens qui mangent le matin. Toi même, tu manges pas. Je vais y aller moi je pense. Je vais travailler. Envie qu'ils se cassent. J'ai dit les barres de la Mais toi même, tu manges pas. Mais t'es fou, moi je suis timide là parce qu'on parle. Mais ouais, c'est une discussion. Tout est tendu, putain. Non, par contre, toi, tu manges beaucoup aussi parce que t'as. Je mange pas beaucoup, juste je mange en fait, c'est le principe du couteau de la vidéo. Bah, on mange aussi, frère. C'est des ouf, ils sont là. Non, on peut manger un pain quand c'est coupé, c'est ça? Mais non,
Mais juste, bah, on mange en même temps, mais tranquille. Bah, on mange en même temps. Non, c'est vrai que moi, par exemple, au collège, je prenais jamais mes petits déjeuners parce que je préférais dormir le max. Ouais. J'étais vraiment dans l'optique de dormir la minute maximum. Et du coup, par contre, je regardais l'heure à 10h30, 11h, et j'étais en mode, c'est quand le repas, quoi. Bah, en vrai, va à la cantine, frère. Le petit déj, faut se forcer un peu. Ouais, ouais, clairement. Et à force, en fait, t'arrives à avoir faim le matin. Mais moi, je pense que je suis le bon exemple pour les produits laitiers et le petit déj, c'est-à-dire que. Regardez ce que ça fait si vous ne gérez, si vous gérez mal vos petits déj, quoi. c'est le contre contre-produit, ouais. Bah quoi, non mais faut dire aux gens, je pense que je me rattrape. Mais non mais ça a aucun rapport avec ça. Commence pas à dire des conneries. Mais si, il y a le... Je pense qu'honnêtement, si j'ai loupé mon petit déj, Dolby, te laisse pas faire. Il y a une gestion de l'énergie sur la journée. Voilà, voilà. Parce que je n'ai pas utilisé matin. Mais c'est prouvé que si jamais tu fais une petite collation dans la matinée, c'est pas très grave si tu te lèves pas, si tu te lèves et tu ne prends pas de petit déj. Il n'y a pas d'impact. Ah, c'est prouvé. Ok. Ouais. Non, en fait, c'est juste quand tant que tu respectes ton taux calorique à la journée. Après, quand t'es sportif, en fait, si tu veux, t'as besoin de nourrir un peu plus ton corps. Donc tu l'étales, quoi. Tes muscles. Ouais. D'où la raison pour laquelle les bodybuilders mangent tous les 4 heures. Les mecs, ils mettent à rêver la nuit, ils mangent. Ouais, ah, ouais, ouais. Parce qu'il faut nourrir. Mais toi, t'es pas à ce point. Non. Moi, je mange 3 fois par jour. Il vient de m'enlever ma seule excuse, du coup. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est exactement ça. C'est vrai, bah, frère. Non, mais tu l'as dit pour mon bien. J'ai compris le message. Mais du coup, maintenant, tu te rends compte. Parce que le gars, t'es. Ouais. C'est ma faute. Je mange pas. En fait, tu vois. Et du coup, ça me fait un peu prendre du bide. Ah, le bâtard. Moi aussi, j'ai grossi là. Putain, dès que t'arrives à la trentaine, faut que ça. T'abuses, toi. Si tu laisses le sport. Non, c'est... Ah oui, quand même. Ah, tu l'avais pas, ce petit bidou. Et là, pour mon film, faut que je maigrisse de baiser. T'as mis ça pour toi, là c'est... Je vais faire une sèche, mon gars. Mais là, pour toi, c'est grassouillé. Ouais. Oui, à toi, faut voir. Ah, ça, j'aime pas ça, tu vois. Tu les vois. Mecs, là, qui te lancent. Fait trop la fameuse, il fait trop la fameuse. Il se coiffe le matin avant bon, qu'on arrive dans sa chambre. T'as TikTok. Ah, parce que je monte pas ma beuteux. Je suis. Regarde, tu vois. Mais ensuite, tu vas dans l'excès. Mais on va pas être jusque-là. C'est de la défense. Tu vas lever ton. Parce que tu fais pas. Fais voir ton ventre. Allez, voir ton ventre, tout le monde. Voir ton ventre. Amine, on fait entre amis, on est là. T'es collé de plus. Non, ça va. Non, mais je vais le faire. Si, il va le faire. Moi, je le fais, il va le faire. Non, mais les gars, parce que j'ai fait une opération. Non, allez, tu mens. Merde. L'opération que t'as fait, elle était commerciale. Et c'est aujourd'hui. Oh, les blagues de YouTubeurs. Oh, l'enfer. Oh, la blague de 2023. D'influenceurs. Et hop là, on a toujours pas vu ton ventre, Charles. Mais c'est harcèlement au collège, là. Allez, Kevin, tu as montré ton ventre, attends, dans toute la classe. Mais c'est un malade, ce mec. Mais toi, t'as harcelé à l'école, toi. Ouais. Bonjour. C'était quoi, alors, on parlait de l'école tout à l'heure, c'était quoi votre matière de prédilection? Le sport. Oh, waouh. Bah, évidemment, toi, Amine, pareil, je suppose. T'as dit sport? On n'a pas vu le ventre, après. Comment ça s'appelait les cours d'informatique? Informatique. Il y avait technologie. Non, cours de techno. C'était un peu ça, ouais. Après, il y avait. Mais après, ça dépend quoi, en quel quoi, collège, lycée, tu vois. C'était plus aux études. Bon, à l'époque, attends, t'es quelle année? Il pensait plus aux matières. 92, 90. Aux matières intellectuelles, je pense qu'il pensait plus, pas aux matières pratiques, quoi. Toi, t'es 93 aussi, comme moi. 91 aussi, ouais. Et donc, 30 piges, oui, il y a ce truc de si t'as pas accompli certains trucs. Oui. Et là, je suis content, tu vois, d'avoir ce truc de projet de film parce que c'est un peu le next step. Et du coup, ça va un peu avec l'âge que j'ai où je me dis, bon, bah. Ça vient clôturer. J'ai pas besoin de faire la vidéo ou un truc. En vrai, si, il y aura toujours envie de faire des vidéos, mais il y a d'autres steps à passer qui sont excitants aussi, tu vois. Mais c'est un challenge. Quand t'es dans le monde du cinéma, là. Je suis pas encore vraiment, mais. Bah, un peu quand même, t'as mis un pied. Ok, on peut dire, ouais, j'ai des escarres. Les acteurs, les réalisateurs. Au début, ils te regardaient pas en mode oh, le petit youtubeur, le petit fils de. Si, vraiment, c'est assez agréable parce que c'est vrai qu'en 10 ans. Après, il y a un petit fils de. Il est gratuit, quoi. Je voulais le caler, mais dans le personnage. Je voulais le mettre dans le. Genre gratuit, banal. Ouais, j'ai rajouté des petits trucs dans les. Avec son gros bide et sa calvitie, là. C'est vachement en bas, là. C'est de ouf. Je suis assuré des caractéristiques. Adopté. Très précise. Et adopté, ça dit. À 15 ans. Mais tu racontes des trucs avec que moi qui pouvais savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Il est où le jus d'orange? Il est là. Pas d'embrouille, hein, s'il te plaît. Moi, je te donne. Je te devais de l'argent aussi, attends, frère. J'irai aller. Franchement. Tiens. Anecdote. Surtout, me frappe pas. Le jus d'orange. Quand j'étais petit, frère, je buvais du lait, mais énormément.
Ok. Okay, un placement. Non, je m'en rappelle de ouf. On ça ne sort même la... pas, mais ça me régale. C'est magnifique. Avec la petite musique triste. C'est incroyable. Il y a vraiment un sujet qui n'a rien à voir. Et d'un coup, il a son verre. Un truc de son enfance. Mais je me souviens très très bien. Énormément. Ça m'a aidé à remonter la pente, faut savoir. Ce verre de lait. Il ne passait pas un soir sans que je me fasse planter par un couteau. J'apprenne à me battre. J'ai renforcé mon verre de lait. Non, je dis ça parce qu'en fait, j'allais kill mon verre de lait pour mettre du jus. Et je me disais qu'en fait, moi, le lait, c'est easy parce que vraiment... Je t'en buvais de base. Non, mais vraiment, genre, c'était abusé. Moi, j'en buvais beaucoup pour m'endormir. Et je sais pas si ça... Pourquoi ils font pas que le shit, je pense. C'est fou d'être aussi chiant. Mais frérot, comment ça, du lait pour t'endormir? Bah ouais, parce que c'était connu. Alors, ça avait des vertus de... Moi, en tout cas, quand j'étais petit, et dans les séries que je regardais, souvent, ils buvaient du lait avant de s'endormir. Ah, mais tu sais pourquoi? Parce que t'es encore resté au statut... Mais vraiment, il n'y a pas de vanne, hein. Okay. T'es encore resté au statut de ta mère qui te donne le sang avant de dormir. Oh, non, mais je te promets que c'est... Non, le loup. Mais si, frérot. Je te promets que c'est ça. Mais je te promets que c'est profond, ça. Oh, le vieux, le vieux. Non, mais vous vous rendez compte du vieux syndrome d'Oedipe que camouflé du mec. Mais c'était un ventre. Complètement. Frérot, je te promets que c'est ça. Je vais pas avoir tes recherches par vraiment. Non, maternité. Allez, bah, il est fou. Ah ouais, lui, il est malade, ce mec. Il a commencé l'OP produit laitier hier soir. Baiser, frère. En plus, il a frais de nulle part. Ouais, je buvais un peu de lait quand j'avais genre 15-16 ans. Bah, dis tout ça. C'est quoi ça que... Il a dit, t'es encore là-dedans. Oui, encore là-dedans. T'as plus jamais bougé, t'en es jamais sorti, quoi. Tu vois, je suis encore dans ce truc. T'es encore dedans. T'es un tarré. Mais c'est humain, c'est. Ah non, mais comment ça, c'est humain? Non, mais il essaie trop de faire passer c'est son cas pour des généralités. Mais non, c'est pas moi. Non, mais si t'es déviant, t'es déviant, mais sois déviant solo. Apparemment, le lait, c'est pas bon du tout. Le frérot. Non, moi j'aimerais. Il y a pas une seconde, lui, il arrache le lait. Vraiment, il y a des trucs, quoi. Est-ce qu'il... Tu te regardes en live? Ah, je peux pas, moi. Menteur. Je te jure, je peux pas me regarder dans une... Ah, je peux pas, c'est impossible. Je peux pas. Jamais. Jamais tu te regardes, tu dis, ouais, j'ai fait une bonne émission ce soir, je regarde. Je peux pas, je peux pas. Après, tu vas voir Manu Star, tu l'as pas rematé. Lui, il est vas-y. Je l'ai rematé un mois et demi après, je crois. Ah ouais? Mais ça m'a fait quelque chose, mais un mois et demi après, je l'ai regardé. T'as rendu un mois et demi après, il a maté le Eleven. C'est vrai, ça? Ah, je peux pas me regarder ça. Moi, je vais regarder, mais à la seconde. Ah ouais? Le GP, je l'ai regardé vraiment à la minute où c'est sorti, je l'ai regardé, je me suis rematé tout le truc. Parce que c'était tellement fou, et vu que j'étais de l'intérieur, tu voulais vivre. Tu concentré. Et bah, du cap, il va falloir faire une pause de 2 minutes, je crois. J'ai lâché un truc, c'est. C'est une tuerie, quoi. Là? Ouais. Donc, ok. Moi, tu sens pas? Peut-être qu'il y a le fromage pour. Moi, en fait, je sens plus parce que je suis habitué, t'as fait ça toute la nuit. Donc. C'est pas vrai. Si, si. Non, pour de vrai, si. Et à un moment donné. Pourquoi tu fais ça? Le truc du ronflage, ok, je peux ronfler la nuit, mais là, il va commencer à m'inventer des. Il se chie dessus la nuit, vraiment. Il chie dans son bain. Je crois, il était quoi? 7h, 8h du matin. Il fait des émissions nocturnes. Frérot, j'entends une. T'entends hurler? Non, mais bon. En fait, il peut dire ce qu'il veut, je dormais. Il peut dire ce qu'il veut, je dormais. Et moi aussi, pareil. Il était là dans la nuit. Ah. Non, fou, ça va aller trop loin. Ma blague va aller trop loin. Par contre, t'es comme moi, tu dors avec des vidéos la nuit. Ouais. Et j'entends TikTok. Et j'entends quoi? J'entends Pascal Pro. Mais en boucle. Ouais, j'entends Pascal Pro. J'entends Pascal Pro. Le mec qui hurle. Mais c'est insupportable. Et lui, il était là, il était comme ça. J'entends. Ah oui. Il l'a trop bien fait, sa vanne. J'aurais dû dire. C'est perdu. Il l'a mieux fait que moi. Ah, mais y a pas de vanne. Y a absolument pas de vanne. Bah, si, mais sûr que si, y a que de la vanne. Je regarde pas, c'est pas lui que je regarde, c'est Bardella que je regarde. Ah oui, le milieu de l'Italie. Ah, Bardella, c'est vrai ça? Non, c'est Bardella le milieu de l'Italie? Non, c'est Barella. Barella, bâtard. C'est vrai que je me disais, attends. Ah ouais, même non, en fait, non, pas du tout. Mais non, en vrai, je pense pas avoir fait autant de dingueries. Mais oui, ma vidéo, parce que je t'en parlais de ça. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à m'endormir. Je me force des fois à lire. Parce qu'il faut. Mais tu lis sur ton tel ou genre? Non, livre. Je vais faire mon psychanalyste. Est-ce que c'est parce que tu as eu la télé très tôt dans ta chambre? Pas du tout, au contraire. Okay. Tu vois, au contraire, je pense même. Parce que j'ai pas eu de télé quand j'étais petit. Non, ça va. C'est le mec qui a deux trucs qu'il a haché, quoi. Et qui sont sains en plus. Dans la barre? Non, dans ma chambre quand j'étais petit. Pas moi non plus.
Mais il y a plein de jeunes qui c'était le cas, pour qui c'est le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de, pour plein de foyers et plein d'enfants qui ont de ça. De pas avoir d'écran dans leur chambre. D'avoir des écrans. Ah, voilà, mais il y a écran et télé. Tu vois, t'as iPad, t'as Switch. Je fais pas trop. Autant de jeunes. Notre génération, ça devait être un sur regarder YouTube. Là, tu vois, 80%. Aujourd'hui, tout le monde a une télé, tu penses, dans sa chambre? Non, pas forcément une télé, un écran. Genre aujourd'hui, t'as. Avec une Switch, tu peux aller sur YouTube. Ouais, c'est ça, ouais. Une PS Vita, tu peux aller sur YouTube. Voilà, j'ai fait des choses avec ma PS Vita. Tu vois, non, mais voilà. La PS Vita, imagine. Tu peux pas être content. Imagine avec ta Sega, tu vas sur YouTube. Qui vraiment en doute. Et en gros, le... non, aujourd'hui, les enfants ont accès à tout. Enfin, les enfants, les jeunes et tout, bref. Ouais. Mais bref, moi, ce que je veux dire, c'est que ouais, j'ai pas. Je crois que c'est lié à ça, tu vois, en me disant, c'est un et trauma. Et je pense que naturellement, après, c'est con. C'est aussi, quoi? Il a mis du temps à venir, mais c'est lui, là? Ah, ouais. Ou alors, il y a une autre surprise. C'est le miasme, là, qui débarque, mais non, j'ai rien sur l'instant. Pourtant, je te jure, je suis à côté du fromage depuis tout à l'heure, il n'y a aucun souce. Ou alors il est en train de fermenter, peut-être. C'est peut-être le bris à la truffe qui fermente. Il faut peut-être le remettre au frère. Allez, je vais. Mais j'ai pris ça comme un ordre. Hein. Dès qu'il parle, Cyril, vous avez remarqué, on s'exécute. Oui, oui, ça va être. Mais je vais arrêter de parler, putain, je me saoule. Allez. Non, attends, c'est super bon. Non, après, c'est vrai. Pendant 30 secondes, il s'en battait les couilles de ta vie. Non, j'ai mis bien. Non, mais il nous parlait du fait qu'il a une enfance. Non, mais vous avez raison, on s'en bat les couilles. T'es dur. Pour ça, aujourd'hui, j'ai des bons sens. C'est hyper dur. On va te demander si tu lisais un peu. Non, même pas. C'est lui qui a dit qu'il... Eh, j'ai rien compris. On a compris. Oh, non, non. Je te jure, j'ai essayé Cyril. En imitation de Zaza. Cyril, j'ai rien compris. Oh, non, on sait. Et lui, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite parce qu'il faisait semblant. Il cachait la tête. Non. Vas-y, mais il a dit quoi? Mais moi, je me moque pas des caractéristiques physiques des gens. Oh, quel salope. Oh, quel big menteur. Salope. Putain, mais Cyril. Quoi? Tu m'as pas dit que t'avais joué dans un film? Ah, le. Et là, c'est moi lourd qui a pu. Tu parlais, il a repris la parole. Il l'a jamais quitté, mais juste on était en train de. Ah, t'es un peu égocentrique, toi. Mais non, je sais pas. Je vais lui expliquer. Je vais lui. Il va encore lui dire. Ouais, mais c'est quand j'étais jeune, il va essayer de nous attendre. Il avait pas de télé. Du coup, ils sont en train de parler tout seul pour mettre une présence. Tu lui as donné la parole, il a pris la parole. T'as donné le sujet. On allait parler de la chair de son être, de lui. Vas-y, on revient à toi. Oui. Non, ça, on revient à toi. Très, très mauvaise langue, je le dis. Très, très mauvaise langue que tu ferais mieux de mettre dans ton cul. Ok. Je sais pas. Ça va, on peut faire des sorties de piste ou pas? Ouais, c'est bon. Et bref. Attends, mais c'est quoi la chair de son être? La chair de son être. Je sais pas, je voulais dire son enfant, quoi. Il voulait faire tout stylé un peu. Ouais, voilà, exactement. Le chat de sa chair, on devrait dire. Ouais, ouais. Et pardon, l'enfant et les écrans. Non, c'est lui qui parlait, c'est lui qui parlait. Mais les écrans et l'enfant, les écrans et l'enfant. C'est lui qui parle de lui. Il m'a lancé dessus. Ouais, parce qu'il a jamais parlé encore, mais... S'agit juste sur tes côtes, t'es fini. Non, il y a un rapport aux écrans, effectivement. Ma fille, un peu comme toi, elle est très malheureuse parce qu'elle n'a pas eu de télé pendant son enfance. Après, elle a 6 ans, donc elle a le temps de voir venir. Mais tu vois, c'est pas la même génération. Donc du coup, mais tu fais attention. Je fais grave attention. Mais tu vois, elle a une Switch. Je vais acheter une Switch. Le gars, elle peut jouer. Elle joue à côté, là, son petit truc d'une heure, machin. Mais c'est faut contrôler le temps, c'est tout. Juste contrôler, en fait. Faut juste pas être un matrixé des écrans en mode non, putain, à un moment, elle a croisé les écrans, elle avait 2 ans et demi, elle avait pas 3 ans. Elle dit ta mère, Mais faut pas sous-estimer. Exactement. Mais surtout, après, c'est à partir de l'école et de la matrix de l'école, tu vois. C'est plus l'ambiance qu'il va y avoir à côté. Si t'as été influencé dans ta jeunesse par des gens, c'est plus ça. C'est là où être parent me fait flipper, parce que moi, je sais que je pourrais laisser très longtemps dans ses mains pour être un peu tranquille aussi, tu vois. Mais c'est quoi, définir très longtemps, quoi, aussi? Tu dis ça, mais c'est parce que... Non, tu vois que pas tu dis ça, mais je suis sûr que le jour où ça t'arrivera. Oui, c'est ça. Tu l'apprends. C'est normal, en fait. Oui, mais sur le tas. Mais je suis comme toi. C'est tellement satisfaisant de se dire Peppa Pig. Ça peut tenir. Non. Mais non, mais... Beaucoup de choses, mais pas ça, quoi, tu vois. Ah non, mais moi, y a pas de patrol.
Pas de patrouille. Tu veux pas en parler? Mais si, je peux en parler. T'en as deux? Mais si, bah laisse-moi parler, je vais en parler. Tu vois, le gars il anticipe de me couper la parole, de pas me donner la parole. Toi t'en parles pas tes enfants, ok. Mais demande-moi. C'est vrai, je vais être horrible, pardon. Non, mais. Ah, il recommence. C'est vrai que tu casses les couilles. Il recommence, je vais te taper. Rappelez-vous, il avait pas de télé, pas de couverture. Il devait du mal à s'endormir. La couverture, c'est glissade. Il a tiré vers le jamais dit. Il l'a rajouté. La glissade de fou. C'est la fouine. La fouille a pris une petite balle. Non, mais les trois mois, ça, les gens qui meurent, montage. Non, mais je kiffe la fouine. Ah ouais? Non, pour de vrai, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup consommé. Mais je pense que aussi. Bien sûr, évidemment. C'est notre génération, qui n'a pas consommé? Vas-y, chante pas ensemble. Ok. Je viens de loin et viens de loin. Je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Non, il a pas fait. Si, il fait la barre, il n'y a pas ce moment-là. Non, il n'y a pas ce moment-là. Mon identité, ouais. Je ne peux pas essayer. Je peux pas espérer, je crois. Je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper? Voilà. Ce matin, un lapin, un tirel, un peu rouge. Ah, c'est pas ce soir? Tellement bien. Une aventure. Ah oui, c'est que la fouine anecdote, c'est le premier qui a commencé à chanter dans le. Exactement, mais l'anecdote, non. C'est quand même un truc qu'on se rappelle. Oh là là, mais ça revient pas, ça revient pas. Tu sais que. Allez, on tire la couverture. Tire. Il voulait montrer qu'il savait. Moi, je me fais vanner, frère. Cet homme sait. Et moi, je fais une vanne tout de suite, c'est ça? Allez. Bah non, je me fais un café. Dans tous les cas. Pas trop de café, hein, tu sais. Ah ouais, attends, le troisième. Ça donne les dents jaunes. Ah non, mais ça c'est bon, je suis. C'est fini. Ça vous fait pas aux toilettes, genre direct? J'ai accepté. Non, le fait que j'allais pas avoir. Ça peut te faire aller aux toilettes. Moi, c'est peut-être parce que j'en bois rarement du café. Oui, je pense. Ah, donc il a encore cette force. Encore fumé, café club, c'est. Là, 100%. Si vous voulez, je fais le test, je prends un café. Tu vas finir. Putain, après les gars, je suis là-haut. Faudra couper le micro. Mais tu dois faire quoi aux toilettes? Ah frère, là, c'est plus. Il doit s'envoyer. Ah, il doit lâcher. Genre vraiment, moi ça. Quel est ton rapport à l'animal? Parce que, est-ce que selon toi, vu que l'humain a conscience... T'as quoi comme animal, c'est toi? J'en ai pas. Voilà. Parce que j'ai conscience que son bonheur ne doit pas passer par le mien. Wow, c'est quoi cette connerie là? Genre, bah si. Le frère, un chat, il en a rien à branler de ton bonheur. Alors moi, je t'explique. Moi, j'ai deux chats. T'as deux chats? J'ai deux chats chez moi. Ouais, mais tu t'en occupes assez? Le premier, c'est un chat qu'on a pris sur une asso parce qu'il était aveugle. Ok, il n'a pas d'œil. Merci, monsieur. Attends, on l'a pris parce qu'il était aveugle. Et frérot, je vais. Attends, vas-y, fini. Putain, deuxième cet été. Faire comme Vic, tu dois remplacer. C'est 5h du matin, je faisais chaud, j'ai entouvert ma fenêtre et j'entendais miauler un chat de détresse. Ok. Un bébé. Comment tu reconnais les miaulements de détresse? Justement. C'est une détresse. Peut-être que j'ai une sensibilité un peu plus forte que la tienne. Pardon. Eh oui. Peut-être. J'ai dit, bon, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je sors dans la rue, capuché, parce que 5-6 heures du matin, tu commences à faire jour. Oh, t'as eu peur, quoi. L'été, non, parce qu'on me reconnaît au bord de la route, la flemme de voir un mec par terre. Ah, c'est la gueule, qu'est-ce que tu fous, 6 heures du matin? Je termine un chat. Va fermer sa gueule, en fait, je cherche, je peux pas finir l'histoire. Non, mais arrête. Oh, l'acteur, le fou. C'est trop. Non, tout ça pour dire que tu veux parler de ma sensibilité aux animaux. Ce chat-là, on a attendu je sais pas combien d'heures pour pouvoir le récupérer. Il était sous un capot d'une voiture, ouais. Parce qu'il était effrayé, c'était un bébé chat. Et aujourd'hui, je l'ai récupéré, j'ai adopté chez moi. Voilà. À ton tour, Il vit qu'à ton tour, quel acte héroïque as-tu produit durant... Je crois que le chat a grandi sans télé dans sa chambre. Bravo. C'est non, ça qui était très bravo. Dur. C'est ça qui était très compliqué pour... Vous moquez de mon enfance dans les favelas. Oui. C'est vraiment pas sympa. Oui. Tu viens de Jacksonville, toi, je crois. Exactement. C'est nappe, hein. C'est pas ta vie, la vidéo. Il y a pas longtemps. J'ai regardé, putain, elle était bien. Jacksonville, disons. qu'est-ce que je veux dire? Non, un acte héroïque, les gars,
C'est compliqué de se. Mais tu dirais pas le fait rappeler. De créer du contenu, c'est déjà héroïque pour les gens qui te regardent. Non, mais après, j'aime pas. En fait, dire quoi, héroïque? Ouais, c'est se positionner. Ouais, c'est se positionner. Tu as dit la réponse premier degré de ouais, vous. Se positionner en tant qu'héros, non, j'arriverai pas à le dire. Je pense que. Je pense que les gens le diront. Non, le regard. Je pourrais pas le dire, contrairement à certains autour de cette table. Mais cette mémé de 57 ans, elle. Horrible. Horrible. Non, non. C'est bon ton petit jeu, Amine. Ouais, c'est vraiment un ado. Pourquoi tu bois comme ça? Sois normal. En mode, on va lui voler son jus. Je te jure, on a un truc qu'on va te voler. C'est ouf, la famille. Non, mais c'est ouais, normalement, frérot. C'est quoi le bah avec du charbon? Bah, tu prends ton verre comme un homme. Okay, tu bois comme ça. Comme ça, t'es là. Ah oui, parce que son menton, il peut pas avec son menton. C'est la première fois que j'entends tu bois comme un homme. Moi, je suis. Non, mais vraiment. Comme un homme. Comme un homme. Des manières. Comme un homme. Non, mais je sais pas, quand je bois, je suis un peu mystérieux. Tu es posé. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Tu bois quoi? Tu bois mon petit jus avec sa capuche. Ouais, exactement. Le petit ado. On peut voir, on peut pas. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, mais là, il n'y a rien. C'est juste que j'étais fatigué, j'ai mis ma capuche, il n'y a rien. Mais non, mais le jus d'orange, moi, je le bois juste un peu de manière un peu modeste. Je suis un peu modeste quand je bois. Tu sais, je suis modeste. Tu bois de manière modeste. Ah ouais, non, ça c'est de manière un peu. Non, modeste. Ouais. Je suis un peu fou quand je bois. Un voyou qui va passer à l'acte. Non, je suis pas d'accord. Mais tu sais qu'en plus, je te respectais pour ton histoire des chats. J'écoutais, ça m'a touché. Comment il s'appelle? Là, tu m'étends, je te jure. La vieille Titinette et la petite Molly. Ok. Titinette, c'est toi qui as choisi? Non. Ok. T'as voulu l'étendre? Ouais, ça va pas. Non, à la base, c'est un surnom, Titinette. Bon, là, okay. Vraiment tous les jours, Titinette. Et ils ont quel âge? La grande, elle a. 27. Non, elle a. Elle, ouais, est, pas, elle est pas si vieille, hein. Elle a, je sais plus. Dès qu'il met son chat, il s'en va. Elle a 5 ans, je crois. 4-5 ans. Ok, la petite, dès qu'il y a un animal qui a des attributs humains, enfin que tu rapportes à un être humain, un adulte, ça me fait rien. 27 ans, vraiment, je l'imagine. Ouais. Moi, ça vient. Mon chat de chez mes parents, il est mort l'année dernière, à 20 ans. Après 20 ans, oui, ça me va pas, toi, 20 ans. Il s'appelait comment? Sonic. Donc, original. Il ne peut pas être super rapide. il était assez. Bah, il était beaucoup plus. Il était plus tonique que toi. Non, mais plus fou que mon chat actuel. Patrick, c'est vraiment le chat le moins. Bah, t'es un bâtard. Le moins tonique. Patrick. Mais le prénom ne donne pas envie de se faire courir. Bah, c'est ça, quoi. Tu t'appelles Patrick, bon. Tu te dis, bon, je sais que. Je suis en place. Tu dois être au Café des Sports à un moment de la journée. Obligatoirement. Il répond au nom de Patrick. Vraiment, tu l'appelles Patoche. Il répond et tout. Et maintenant, c'est vrai que ça me choque même plus, en fait. Oui. Tu vois, vraiment, Patrick. Alors quand j'en parle là, tu sais, dans le train ou autour qui rentre, ouais non mais il y a Patrick et tout, ils me font, je me dis comment ça? Il y a Patrick à la maison, tu peux passer le jeu de manger. C'est un mec de 57 ans qui tu sais, il a mis sur le canapé, ah, putain, ouais. Patrick il a pissé sur le canapé. il m'a mis vraiment un José Bové sur mon canapé comme ça. Après je dis pas que c'est jamais arrivé qu'un daron pisse sur mon canapé, tu vois, mais là en tout cas. Est-ce que Cyril, comment dire? Tu te sens toujours dans cette position de mec qui doit prouver ou maintenant t'es installé au point où tu te dis bon putain tous les yeux sont rivés sur moi, il va falloir que je revienne avec ce titre et ouais, tu veux revenir à ce point là évidemment. T'as moi j'aime bien, moi j'ai toujours kiffé être outsider, en ouais. Vrai de vrai. Et toujours bien aimé être outsider. Est-ce que tu subis moins la pression ou c'est genre pas forcément ça plus à pas prouver, spécialement parce que finalement quand t'as été touché et que tu repars et que tu veux retoucher, on a encore plus d'attentes, tu vois. Ouais, c'est ton retour, quoi. Ouais. Genre le combat après Jones. Mais ça va, parce qu'en fait, j'ai fait un reset dans ma tête. Mon mindset, il a changé un petit peu. Ça s'est senti après, quoi. Ça s'est senti extérieurement, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bien. Ça s'est senti que tu avais plus de. Tu l'as senti comment? Arrête de lancer sur un truc qui est très sérieux. Mais non, mais bah non, je te pose des questions. Non, bah, non, je suis sérieux. Là tu essaies de faire voir. Mais non. Que j'aille sur des mots nuls et mais, que tu fasses. Ah non, mais que tu dises un mot. Mais non, mais complexe pas. Non, mais je suis en plus déterminé. Il a raison. Hop là! Non, mais Cyril, j'ai toujours été de ton côté. T'as vu l'histoire des chats? Timétis! Ça m'a touché. T'étais Ninette. Comment ça s'appelle? Titinette. Titinette. T'as même pas écouté, tu vois, c'est ça qui est fou. T'as même pas écouté. Donc, a priori, c'est toi qui m'as écouté, les autres m'ont pas écouté. Mais c'est eux qui me sortent. Et Molly. Ouais. Molly, parce que ton ex s'appelait comme ça, donc tu t'en es sûr. Ah, t'as une ex qui s'appelle Molly? Il est clèpe. Il sortait un chat à 2 ans. Non, mais parce que moi, ça me touche. Il a pris un chat aveugle et un chat abandonné. Alors que tu sais, les gens, toujours, ils aiment bien choisir leur chat en mode le petit chat blond aux yeux bleus, comme s'ils étaient au shopping. Oula, c'est un sujet d'histoire. Non, la description est pas. Je peux pas dire que t'as pas fait des bleus aux yeux bleus.
c'est une période de l'histoire. Non, mais j'aurais pu dire n'importe quelle couleur, mais en mode, ils choisissent leur chat comme si... C'est ça qui est dingue. Non, mais tu captes, ils veulent leur race, le petit chat off-white. Ah, le mot race a été prononcé dans ce... White. Est-ce que Cyril, pour vous, le next step, c'est le cinéma? Moi, je trouve qu'il joue très bien. Moi aussi, ça m'a surpris de le voir dans le jeu, parce que je m'attendais pas. Moi, je trouve qu'il est très fort quand il joue Cyril Gunn. Bah, en même temps, pour l'instant, il a joué très peu, à part un keuf dans le film avec Nassim, dans Passant Pécho. Tu joues un keuf avec Kemar. Ouais, c'était ma première expérience, ça. Et que t'as déjà très bien. Ouais, c'était bien, c'était longtemps déjà. Ok, t'as pris combien? Bah, ça, c'est personnel, ça, par contre. Ah, c'est de l'ordre du privé, ça? Ouais. Là, en plus, il a pris un ton de voix. C'est quoi cette voix là? C'est la voix qui fait pas chier. À toi, quand on parle d'argent, c'est. Ah, moi, direct, ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Le gars a décidé de se battre pour l'argent. C'est clair. Lui, au moins, il l'a pas caché, quoi. Non, mais voilà. Lui, pour la suite. Il faut dire ce qu'il est, effectivement. Je me pose la question. Hier, je te posais la question. Déjà, t'as dit que t'allais réfléchir. C'est vrai qu'hier, hier soir, il m'a dit, mais toi, c'est quoi ton métier? Et j'ai réfléchi toute la nuit. Et tu sais pas ce que c'est. Et aujourd'hui, je il a pas d'argent. Je ne saurais toujours pas dire, là. Ah, tu me poses quoi? Bah, streamer. Son métier, c'est d'être Amine. Et aujourd'hui, c'est Amine. C'est avec ses amis, quoi. Tu streames moins? En vrai, j'arrive pas à voir la fréquence. Tu streames moins qu'avant ou pas? Ouais, un peu. Ah, il a une meuf, c'est pour ça que ça va. Ouais, gars, bravo d'ailleurs. Je pense qu'au contraire, je pense que si j'avais quelqu'un dans ma vie, ça m'apporterait de la stabilité. Et que je serais beaucoup plus régulé dans tout ce que je fais. Tant que tard, donc c'est-à-dire que tu passes beaucoup. Ah, toi, pas avoir une meuf, c'est direct. C'est ça. Ah, il s'est dévoilé. Ça veut dire qu'il envoie beaucoup de temps à chercher cette stabilité, du coup. Beaucoup trop de temps à investir en recherche de stabilité. T'as pas été comme les chats, t'as pas été... Comment on appelle ça? Ça, c'est ses couilles, ça. Vous avez la rêve, c'est du full produit laitier. Mais ce qui est cool, c'est que c'est vraiment c'est l'ambiance. Bah ouais, avec tes potes. Ouais, c'est ça. Amine, là. Amine, oula. Faire quoi, toi? Ok. Merde, les gars, je rêve d'aller continuer la comédie de l'Arte, au moins. Qu'on y croit un peu, qu'on a un truc au début dans cette vidéo. Garde ça pour le ring. Vas-y, fais. Oh, faut s'embrouiller, vas-y. Je t'ai dit, mange bien tes Kellogg's, il fait un caprice d'adolescent. Les gars, tranquille, en fait, tranquille. Toi, lâche-moi, tu ne dois pas boire du lait avant de dormir. Ah ouais, c'est vrai, j'aime tellement le lait, putain. Non, mais on fait une séquence pour le début de la vidéo, genre dans cette vidéo. Et on fait. Fais pas les mouvements comme ça, là. C'est pas les mouvements comme ça. Calme-toi, gros. Mange tes Kellogg's, man. Coupe la caméra, toi. Coupe la caméra. Mange tes Kellogg's. T'es pourri, t'es pourri. Arrête. T'es pourri. T'as pas besoin de cash. Tu te fais bouffer tes Kellogg's. Cyril, arrête. Je vais encore devoir taper. Je vais laisser au début du montage. Tu as dit quoi? Non, ok, d'après ma phrase. J'ai pas compris ce qu'il t'a dit. Ah ouais, là j'ai dit, je vais encore devoir te taper. Ouais, en vrai, c'est cool. Tu sais, je mets oversize pour pas. En vrai, tu l'éteins. Je m'habille en oversize, mais je te jure, en dessous, il se cache un truc de baiser. Tu peux le montrer dans l'entrée. Un truc de baiser, quand il parle de baiser, c'est vraiment du. Non. De la lave en fusion. On fait voir alors depuis tout à l'heure. Ton ventre. On passe à la séquence. Le ventre d'Amine. Allez. Non, jingle, le ventre mou. Le ventre mou, La danse du ventre. Le ventre mou, le ventre mou. La brioche pasquier. Allez, fais voir. Moi, t'es calmé, hein. Il vient de manger en même temps, les gars. Ah, mais il les a mis dedans. Arrête de faire l'adolescence. Et ça remplit des salles et des stades. Ah, mais arrête! Je sais pas ce que t'as fait cette nuit là quand je. Non, mais là, les caméras en mode zoomé déjà, préparé. Je dirais que tu n'as pas bazooka, frère. Ils vont tirer dessus. Montre. Ton ventre, allez! Et hop là! De ce qu'on a vu, frère, ça va, frère, je crois que c'était gros, moi. De quoi? Bah, je crois que t'es gros, moi, en fait, ça va. Ah, mais je suis pas gros! Bah voilà, bah c'est mon montre alors. Mais t'es. Justement, on a vu. Mais je. Ouais, mais attends, mais tu demandes un peu trop là. Ouais, mon ton ventre, toi! Elle est trop intéressée! Toi, mon ton ventre, toi, tu m'en montrez vos ventes. Ok, regarde. Je monte tout mon ventre si t'enlèves ta casquette. Oh, allez, assis-toi. Alors, frère, c'est pas aujourd'hui que je vais faire mon bad reveal, bah oui. Mon calvitie out. Calvaux. Après, tu pourrais, hein. Non, mais je pourrais. Et en vrai, c'est juste des choses. Sur mes médias. Tu vois, t'as pas donné du mal. Après, tu donnes carrément un truc vraiment de. Tenez. Et la pleine vue. Non, mais c'est un trésor, c'est un trésor, ça. Ouais, et surtout, tu sais pas comment ça va être, dans quel angle, dans machin. Tu peux faire le contrôler, toi. J'ai envie de le faire, non, vraiment, je t'inquiète. Ça va bien. Moi aussi, je suis habitué.
Bah oui, en plus, oui, en ça, plus. Va. Ça va, en vrai, tu peux capter, tu vois. Mais c'est juste que... Mais surtout, tu caches rien de fou. Non, ça va. C'est parce que moi, je cachais un vrai truc, il y avait une... Et toi, donc là, et, ça va. Et d'ailleurs, c'est trop bien que t'aies fait après le truc de vas-y, nique sa mère, on y va à fond, tu vois. Mais j'appréhende aussi ce moment-là, parce qu'en vrai, bah, c'est con, mais quand t'as habitué tes gens à avoir à pas le montrer, d'un coup, tu sais, tu caches un truc qui après, en fait, c'est juste pour que ça monopolise toute l'attention. Ah bah. Et que tu sois là en mode, hey, les gars, regardez une nouvelle vidéo. Et que tout le monde, les commentaires, c'est que ça. Oh, les gars, oh, c'est la cale de l'espace. Voilà, c'est autre chose, tu vois. Mais non, ouais, c'est rien, personne va t'éteindre, frérot. Je te jure. Non, 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 t'es un menteur, t'es un acteur. Bah, du coup, montre. Mais moi, j'ai rien, moi. Mais sérieux, je suis décoiffé. Mais regarde, montre-nous un peu. Allez, s'il te plaît, personne va t'éteindre. Il fait exprès. Je l'ai vu avant de dormir. Je l'ai vu avant de dormir. J'ai vu. Tu vois, ça brille. Ça s'allume bien. Mais non, mais c'est pas. Les gars, je le ferai. Mais c'est vous de vouloir faire. Tiens, en plus, c'est vraiment dans le but. C'est vraiment dans le but d'éteindre. C'est vraiment dans le but d'éteindre. Et de faire des vues dans ta vidéo. Ouais, dans le sens. C'est pas ma vidéo en plus. J'ai aucun intérêt. Mais c'est Amine et ses amis. C'est comme moi, mon ventre, je l'aurais montré si c'était pas, si c'était ma chaîne. Ton ventre, frère. Ton ventre, il est complètement. Oui, d'accord. Moi, je vais monter mon bras. C'est pareil que son crâne. Mais non, il y a un secret. C'est un artiste. Mais quel secret? Tout le monde l'a vu, son gros crâne. Même le concept de calvitie. Oui, c'est pas une maîtrise. Tu peux pas maîtriser ça. Toi, tu peux choisir. T'as de manger, tu reviens en six-pack. Tu vois. J'arrête de manger, ça m'aurait pas dit. Vas-y, c'est un bon ou quoi? Je vais vous la montrer après, c'est un problème. C'est pas stack de vidéos, tu sais, un pire chapitre. La grosse calvasse dit, mec, fais voir. Non, mais montre. Après, nous, on a coupé rapide, hein. Dès qu'il y a eu le gate. Ouais, mais ça, c'était tellement, comment dire, un move libérateur aussi, je pense. Vous l'avez tout, tu l'as aussi, la ref. Ah ok, parce que le pauvre Ray Cyril n'était pas dedans. Non, c'est mon mot. Ouais, en fait, le problème de Géria, c'est qu'on l'a tellement répété que je suis en mode maintenant, t'es limite, tu te sens en mode, désolé, je reste. Oui, ouais, c'est ça. Non, mais rien, c'est juste, moi avant de raser, j'avais les cheveux longs, mais quand je te dis long, j'avais les cheveux longs, et j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux longs, j'avais mon personnage, machin, etc. Et je mettais un, ouais, vraiment long. Quand je te dis vraiment long, c'est là, quoi. Mais j'avais un bonnet, et à force, bon, bah c'est génétique, hein, j'embrasse mon père, mais il a un bon point, donc c'était fini. Et je commence à perdre mes cheveux et tout, mais bon, l'habitude, tu vois. Et un jour, j'étais chez Domingo, on fait la cuisine et tout. Et en fait, moi j'ai toujours dit, les gars, j'ai une calvoche de l'enfer, mais pareil, Kiwi, que tu montes pas. Parce que pourquoi? Parce que si tu le montres une fois, dès que tu mets un tweet, un truc machin, il y a toujours un gars qui va dire, avec une petite photo, c'est bon frère, j'ai compris, en fait, je me vois tous les jours. Ouais, la porte de trucs. Et je me souviens, j'étais en émission deux jours avant d'aller chez Domingo, et on parlait de ça en se disant, le jour ça arrive, deux jours après, le karma gros. Genre, je commence à mimer, je fais du air football, je fais ouais, alors là, je fais ça, je fais comme ça. Montre-moi ce que je fais. Ah, bah, oui. Et là, le truc a explosé, tu vois, les mecs, oh, la calvo, on a jamais vu ça et tout. Et il y avait des mecs qui étaient en mode, ouais, force. Et enfin, ça a pété. Et en fait, moi, je m'en bats. Quand t'as du recul aussi, tu sais, ça joue. Mais non, mais même, faut juste. C'est les couilles. Tellement de gens ont vu ça. Tu peux voir la vidéo. Tu peux voir la vidéo. Pour quel conseil? C'est la vie, c'est Géria pendant très longtemps dans le game. Le bâtard, il veut juste éteindre. Il a un bonnet. Non, ça va, ça va. C'est marrant, c'est jamais. Ça il le cachait pas, donc en fait, tu te doutais qu'il y avait quelque chose, mais tu pouvais pas savoir. C'est un truc Et le problème, c'est que lui, il pensait pas que ça allait être aujourd'hui le reveal. Donc, ah, mais non, j'avais pensé pas du tout. Il n'était pas préparé au reveal, donc il danse avec son pote. Et en plus, tu le dis, je crois, tu fais la calvasse, la calvasse. Malheureusement, ça arrive, et là, il arrive comme. Il était pas préparé. Voilà. Mais gros, j'avais des vaches longs. Mais j'avais. Je commence à tout perdre. Ça aurait été un reveal organisé, tu serais préparé. Oui, c'est pas du tout. Et c'est ça qui a rendu le truc historique. Et du coup, c'était trop drôle. Et les gars, ils me vannaient, ils m'envoyaient des photos de mecs de manga qui avaient des calvoches de l'enfer. Ils me disaient, oh, mais c'est des japonais. Oh, il est là. Mais moi, ça me gêne. Ah, bah oui, mais quand même, ça va. Mais j'en ai rien à foutre. Bah oui, et puis même les. Non, mais c'est ça, parce que la réaction des gens, c'est en mode. C'est humainement impossible de cacher ça en fait. Comment on arrive là, tu vois? C'est très fort. Et c'est ça qui est très très fort. C'est que 10 ans dans le game. Mais c'est pas un petit truc, c'est. Il a les larmes, frère, il a les larmes. Il y avait un contraste. C'est pour ça quand hier tu me dis, ouais, moi, Zama il se rase les cheveux par choix. Je dis, bah, on n'est pas tous comme ça. Mais frère, bien sûr. Mais c'est le jeu, et puis ouais. Jordan, ouais, Jordan. Et franchement, il l'avait gardé, c'est. Moi je me dis toujours, je ressemble pas à Michael Jordan, franchement à sa tête, donc tu vois. Oui, bah voilà. C'est ton idole, quoi. Exactement. Tupac, frère, Tupac. Tout le monde. Frère, les plus grands. En plus, ce qui vient, c'est. Et puis là, t'as pas le son. Parce qu'en vrai, t'es aussi très fun vocalement. Ah oui, oui. Il y a tout le temps. Mais après, il y avait un avant et après, quoi. C'est vrai, pour le coup. Tu veux dire, mais tu verras la calvasse, Ouais, la calvasse, parce que. Franchement, on aurait dit que c'était fait exprès.
Mais c'est pour l'écran, ça le film. C'est que je croyais que ça aussi. On leur dit qu'il avait coupé ses cheveux exprès. Non. Par choix, tous les matins, je me faisais vraiment, je me rasais ici. Tu veux dire, je pensais que c'était fait exprès. L'happening bien préparé. Bah frère, tu vois, aujourd'hui. Non, pas la calvasse qui était fait exprès. Si, c'est le move. Non, la vérité, franchement. La vérité, tu fais ça, même si le mec a des cheveux, tu râles. On a réalisé un truc fait exprès. C'est ça qui est beau, parce que c'était du naturel. C'est vrai que c'est un gros moment du Twitch, je me rappelle, c'était un... Ah ouais, c'est un délire. C'est un délire derrière, tu vois. Il est drôle, mais le Twitter... En vrai, tu l'as un peu mal pris, ça va. Je pense pas. Non, j'en avais... Je te dis, en fait, tu sais que vraiment... Quand t'assumes, c'est fini. Je te promets pas exactement. Premier degré, tu vois, c'est juste une question d'habitude. Mais les gens, j'ai toujours dit, je dis, mais les gars, moi, je n'ai plus de cheveux. Genre... Ah bah après, ils ont vu, quand même. Oui, bah là, ils ont vu. C'est pas mon sens. J'avais déjà dit, tu vois. Ah, avant, tu parles. Bah oui, ouais, les gens lui m'ont toujours. C'est juste que j'avais compris. C'est ça, frère. Parlait déjà. Et gros, c'était une question d'habitude. Et même ma femme, on avait dit, je te promets, hein, vraiment, un mois avant, on était à Disney, elle m'a dit, t'as pas envie de raser un jour ou quoi? Ça te fait pas chier de devoir toujours sortir avec un bonnet et machin? J'ai dit, ouais, je sais pas si ça arrive. Je te promets, l'année, elle était écrite. Je crois que tu vois, si ça arrive, ça arrive. Quand elle dit ça, je pense à lui péter les couilles aussi. Elle? Non, on s'en battait un peu les couilles, mais elle était en mode, ouais, mais même pour toi. Pour lui, son image. Ça chier, ouais, tu pour l'image. Ouais, c'est vrai, t'es 30 ans maintenant, etc. Et au-delà de ça, t'es en mode. Ça aussi qui m'aide. Tu vois, y a plein de trucs du. Ouais, des fois, tu t'empêches de faire des choses. bluff, parce que. Waouh! Ah putain, c'est incroyable! Il s'en rend pas compte, mais c'est une putain de vidéo. Waouh! On l'a tous vécu pendant 6 mois. Ouais, en fait, c'est ça, en fait. C'est que vous l'avez déjà vécu, tu vois. Moi, c'est la première fois que je vis cette vidéo. Et c'est. Quelle vache de fou, malade, tu vois. En fait, ce qui est drôle, c'est que t'as les cheveux super longs, tu vois. Donc, du coup, le bouc s'y attend pas, tu vois. Waouh. Avant la trentaine, j'étais en mode, ah, c'est chiant, j'ai encore... Il y a un 2 dans mon âge. Ouais, ouais, c'est chiant. T'es là en mode, ouais, je suis vingtenaire, ouais. Ça va pas avec, quoi. Vingtenaire. Mais est-ce qu'il y a pas un truc aussi de le regard des gens, ça te cassait les couilles? Et dire, il a une calvasse. En fait, il y a un truc où aussi les gens. En fait, c'est la peur des autres d'avoir une calvasse qui vont te. Oui. qui vont te ramener. Se rassurer. Bah, si, je te promets qu'il y a des gens qui ont une vraie peur. Les gens qui n'ont pas la calvasse et qui vont te vanner le plus, c'est les gens qui ont trop peur de ça. Ouais. Et du coup, ils sont vraiment en mode. Oh, mec. Oh, on se voir, c'est un truc de ouf. Souvent, c'est des gens qui eux-mêmes ont cette peur-là et qui du coup renvoient ça sur toi parce que. J'ai des potes qui s'en battent les couilles complètes de perdre leurs cheveux. J'ai des potes, frère, ils perdent leurs cheveux, ils sont en mode « Ah ouais ». Je suis en mode « Ah ouais, t'es tellement, mais sorti ouais. de ça, il n'y a pas de… » Lui, oh, mais au mieux, je me rase la tête, je m'en bats les couilles. Je suis en mode « Waouh, trop bien de ne pas avoir ce... » cette pression-là. Parce que moi, j'ai plus d'autres cheveux. Après, tu fais un d'image aussi. Je suis un peu... Ouais, et après, ouais, ça aussi, c'est frustrant, parce que tu te dis « Putain, il y a plein de coupes de cheveux que je kifferais faire. » Que je peux pas faire, tu vois. C'est vrai, hein. Comme mais c'est quoi, comme ça, arrêtez de rendre ça triste. Arrêtez de rendre ça dramatique. Gars, j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup trop longtemps qu'on est autour de ça. Allez, faire une outro, regardez, il va faire une outro. Le sauveur. On fait un feu de cheminée. Oh, ça peut être kiffant pour finir. Ah, c'est là où c'est faire parce que moi je sais pas faire. C'est comme ça. J'étais pas au courant. C'est vrai qu'il fait un peu frais. Moi je suis chaud, mais je sais pas faire. Moi je sais pas gérer ça. Je mets pas ma main dans le feu. Tu sais faire un feu de cheminée? Oh bordel. Oh là. Ça me paraît bien. On va faire du feu, mon copain. Écarte pardon, on va faire du feu, mon copain. Pardon. Ouais, mettez vos vœux, un petit bichon. Oh là là là. Ça part en petit feu. Et, putain, il met sa main dans le feu, ça me choque. Merci pour ce feu, Cyril, merci pour ce format, Amine, c'était quand même bien drôle. Merci Amine. Ouais, merci Amine, on applaudit Amine, s'il vous plaît. Mais non, mais arrêtez, putain. On espère une autre édition d'Amine et ses amis. Applaudissez Adrien. Ça va parler aux gens. Ah. Merci Amine. Adrien, c'est une star. Bah, Adrien, c'est une star. Hein. Ouais. Mais t'es un fou, toi. Hein. Mais pour de vrai, Adrien, c'est une star. Ok, bah alors, merci Adrien et Amine. Merci Adrien et Amine. Merci Adrien pour le format Amine et ses amis. C'est vrai, merci beaucoup. Salut les petits laitiers roses. On se retrouve pour un prochain format. Et n'oubliez pas, le lait, c'est mieux que... La drogue. La vie. Le lait, c'est mieux que la drogue. Oui.